nous avons décidé d'effectuer cette opération dans la période qui précède les principaux chassés-croisés de l'été, qui vont commencer le week-end prochain, puis ensuite s'étaler jusqu'à la fin du mois d'août. Cette opération, elle vise effectivement les deux objectifs que vous venez d'indiquer, à savoir que il y aura bien sûr une dimension répressive à travers les différentes infractions que nous allons constater, que nous allons comment dire, réprimer. Et il y aura bien sûr dans le fait que les forces vont être particulièrement vues, qu'il s'agisse des forces de gendarmerie ou qu'il s'agisse des services de l'État que sont l'ADREAL et les douanes, il y aura aussi une dimension préventive. Monsieur, vous vous arrêtez? Il s'agit aujourd'hui d'un contrôle, un contrôle d'ampleur avec les forces de gendarmerie, la douane, donc différents services. On est en période de grande circulation routière et on s'est aperçu que depuis l'année, il y avait une recrudescence des victimes sur les routes. Donc aujourd'hui, cette opération a été initiée afin de procéder à un certain nombre de contrôles. J'ai un peu là parce qu'en fait, je vais prendre une heure. Ouais. Une heure là, à partir de 16h20.